précédemment dans le 6ème on va où de Dilsy. On arrive à Los Angeles, c'est incroyable, California. Et ce soir, les gars, on ne dort pas dans un camping-car. Léna, mesdames et messieurs. Salut. Stop. Mais c'est un vrai mariage. Oh boy. Ferme ta gueule. Ouais. C'est posé sur la meuf. Oh non. T'arrives jamais avec une solution toi. Lâche ma merde. Jamais vu un truc aussi nul à chier, cousin. Tout en 4DX, cousin. Là, on va faire la visite des studios en 4DX aussi. Pourquoi on n'a pas les lunettes 3D, nous? J'arrive pas à comprendre à quel moment on a fini par prendre pour un con au States. Non, on est où là? Ils sont au milieu. Raccourci, frère. Oula. Ça marche nickel. Oh, j'ai pété un rétro. Badass. J'ai pété ça. C'est de mon dossier, il est éclaté, frère. Non, écoute. Parce que j'ai pété le clignotant, quoi. Let's go! California! La belle inspiration, ça s'en va. Les gars, fais une saucisse! J'ai un saucisse! Ah ouais! C'est vraiment GTA, tout le monde se pousse! C'est là-bas, Sacha! Oh, incroyable! Santa Monica, frère, regarde, on arrive. On va aller faire les attractions. Ah oui? Tu es le meilleur youtubeur, toi. Hein. Bah, on se fait chier, par contre. Hein. Bah, on se dit, quand on fait pas des bêtises, on se fait des bêtises, on se fait tout de suite. Je commence à me faire chier. On se fait tout de suite chier sans bêtises. Hein. Allez, je suis derrière. Ça pas de galère. Ah non, j'ai une fusée, Sacha! T'as pas eu de dépôt de banane, Sacha? Marceau, arrête! Ah, j'ai plus de jus. C'est vrai? Cid, ah, c'est le pire en fait... moment pour avoir un jus. On va se faire raqueter, cousin. On a fallu se prendre le mec en roller. Et voilà, on se gare. J'ai tapé la barrière. C'est étonnant. J'ai rien pu faire. Mais il est complètement fracassé le dossier là. Il est complètement fracassé. Oh ah ouais! Yanclar, partout on passe dès qu'on est content et on est dans un endroit et on est content, on fait ça. C'est très Yanclar, mais c'est trop bien. Mettez attention à l'appareil. Oh non. Attends, on a baissé. Vous n'avez pas l'objectif. Mais frère, non, c'est tout. Tu veux. C'est ça le problème entre Sacha et moi, le grand problème, il est là. Bien sûr, j'ai la carte mémoire, mais c'est pas terminé correctement. Oh non. Oh non, ça peut rien, je suis dégoûté. Oh putain, je me suis dit. Ça veut dire qu'on a fait tout ça pour rien. La cam, elle est défoncée. J'ai fait tomber la cam. Enfin, on est tombé. J'ai fait tomber le cadreur avec la cam en fait. Et on s'est défoncé parce que Sacha, il veut pas lâcher. Moi, je veux pas lâcher. Ça avait toujours le même problème. On s'est frité. Des trucs qui se sont retournés. On s'est explosé. Regardez, je me suis vraiment défoncé là. Et surtout que le pire c'est que je me lève pour récupérer le scout. Le scout m'a parti tout seul. Et il était en train de cabrer. Et des donuts comme ça, frère, c'était un cauchemar. Tous les donuts c'est le plastique qui frottait. Arrête. Et vous, mais bien sûr. On a fait n'importe quoi. Ça est cassé là. Tu peux me faire un bisou magique? Ça va être compliqué. En tout cas on va prendre notre revanche parce que là Sacha elle a gagné la première course. On met pas nos mains. On met nos mains. Bah madame, tu veux en cuisse. Ça va, ça? Là, je vais trop. Fais gaffe, regardez, vous avez une pomme comme quoi Sacha, c'est le plus fou. Sacha, c'est le plus irresponsable.
On gagne la course, mon frère. Let's go, let's go. Let's go, let's go. La question, c'est où est Benji? On va gagner. Mais non, mais quand tu passes par là, vont prendre un champignon. Y'a pas ça qui arrive. Oh, Alors on est pas arrivé. Lui, ça dégage. Il tient le truc. Et moi aussi, je peux tenir. On a pété le rétro. On a pété le mur. We broke the mirror. Il s'est mis du sang sur le mur. We lose the race. Mais rien de crise, faut pas les rendre comme ça là. C'est combien la cochon? Je sais pas, y'a pas de cochon. Tu vois, on a fait un gros accident. Y'a un mec qui a coupé la route, c'est bon. On retourne. Vas-y, accélère. Marceau, hé, t'abuses.
Oh là là. Et pourquoi ils sont tombés là? Je sais. Il y a une meuglée. Je peux plus avancer. J'ai envie de les détruire. Attends, mais remets la droite. Mais je la mets droite, je vais la péter là. Non, non, attends, tu vas la casser pour la vanne toi. Non, non. La clé est pétée? Il rentre pas dans le truc là? Ah si, ça tombe. C'est bon, let's go. Vas-y, frein. Frein, première. On avance. Ouais, je viens de la remettre droite là. Mais je crois qu'elle est tendue donc ça bip tout le temps. Non, je pense pas. Mais c'est quoi cette hypothèse? Ok, c'est parti. Fucking idiot! J'ai rien compris à ce qu'il a essayé de me dire. Warzone! Sorry, sorry! J'ouvre une porte en avant. Mais non, non, non. Prends-lui, frère, faut qu'on le rende. Let's go, boys. Wait, it's okay? You okay? You alright? It's okay, push block me in, bro. I had the fucking right away. Ah, you was, I said I had you the right away. They blocked me in, look. Oh, it's all good. You are mad. La fille, elle va bien? Yeah, girl, she's good. C'est nous, c'est lui, d'ailleurs. C'est lui, il a rappelé les deux. C'est lui. Oh, il avait fait n'importe quoi, frère. Ah, y'a maman, y'a maman. C'est trop les States. C'est trop les States. Ça, il faut les laisser entre maintenant. Bon, comment les dire? Bien dire, pour l'instant, on voit. Sans ça, on s'en sort bien. On a juste payé une deuxième heure. Bon, on est bon. Juste partons vite. C'est jamais. Les gars, on bouge direct? Bon, maintenant, on s'attarde pas trop. On repart au micro-trottoir, encore une fois, c'est terrible, le micro, plus on le répare, plus il se casse. C'est un truc de fou. C'est plus le trottoir, le micro. C'est du surf sur, la, sur le béton, quoi. C'est un peu ça. Bah, c'est comme du snow, mais sur du béton, quoi. C'est vraiment comme le ski, mais sur le béton, genre. J'adore le skateboard. Ah oui, ça montre que t'avais vraiment peur. J'ai encore resté avec. Mais oui. Mais j'ai même pas senti. Faut expliquer, On était là, on était sur le truc là pour faire des photos. Bah comme eux, sauf qu'ils avaient une photo. Là, ils sont en train d'abuser de malade. Mais on était à peu près sur le même principe. Et on était sur le toit. Et Sacha, il a juste, tu sais, genre, descendre assis sur le toit et sauter sur la petite barrière. Il y a des meufs. Sauf qu'il avait trop peur, je lui ai dit, moi je bouge pas de là parce qu'il voulait prendre le petit poteau pour s'aider. Et moi je voulais qu'il réussisse, c'est dans une optique de mindset plus haut. C'était mal fait quand même. Mal fait. Et je lui ai dit, je bouge pas de là, la vie de ma mère, tu vas faire. Et du coup, il a tenté et il s'est enculé. Je lui ai dit, je peux pas le faire, je me connais, je peux pas le faire, je vais rater. Il me fait, si, je peux le faire, regarde, maintenant c'est Marceau, ils l'ont fait, voilà. Comment on rentre chez Léna là? Je me Arrête, Avant d'aller
allez dormir. Je tenais quand même à vous rappeler que vous l'avez sûrement vu dans l'épisode 1, on en a parlé, mais on va quand même le redire ici. Très important. C'est en grande partie grâce à NordVPN qu'on peut faire cette aventure en voie aussi, ce qui est incroyable. Et avoir NordVPN quand on est en voyage, par exemple, comme nous on est là, c'est vraiment, vraiment cool. Car ça nous permet chacun de regarder un peu nos séries, un peu nos trucs, des pays qu'on aime bien et tout. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui nous sert beaucoup parce que des fois, on se supporte plus. Dans le camping-car, on peut plus voir nos gueules. C'est vrai qu'une petite série, ça fait quand même du bien. Et NordVPN nous aide beaucoup sur ça. NordVPN, c'est que des avantages. On peut par exemple accéder à tous nos contenus préférés partout dans le monde, très simplement. Vous pouvez aussi accéder à vos contenus préférés de, par exemple, votre pays d'origine, même à l'étranger. Donc par exemple, si vous êtes français, vous pouvez regarder des trucs français en Albanie. Si vous êtes albanais, vous pouvez regarder des trucs albanais en France. Très bon procédé. Ça marche aussi pour les Grecs, par exemple. Vous pouvez changer d'emplacement virtuel en un clic. Ça, c'est incroyable. C'est très, très facile. Alors, j'ai regardé là, par exemple, je suis localisé encore aux États-Unis, car on est aux États-Unis, suivez un petit peu, sinon ça commence à me rendre fou. Et c'est très simple, tu choisis le pays que tu veux, par exemple, je me foutre au Brésil. Hop là, et je suis donc au Brésil. Par exemple, je me foutre au Chili. Me voilà au Chili, et ainsi de suite. Vous pouvez faire le tour du monde virtuellement si vous voulez, c'est très pratique. Et bah, quand on revient du coup pour sur les trucs de contenu, etc., les sites et tout, en un clic, tu changes de pays, comme ça en une seconde, c'est incroyable, c'est NordVPN, c'est fou. Très très cool aussi, vous pouvez trouver des plateformes de streaming à des prix inférieurs. C'est pas les mêmes prix d'abonnement en fonction des pays, etc., sur chaque plateforme, sur chaque site. Là, c'est sympa. Tu fais ton inscription avec une IP, par exemple, en Bulgarie, ça sera sûrement pas le même prix qu'en France ou en Belgique, ou j'en sais rien. C'est une gamme de possibilités incroyable. Vous pouvez faire des économies sur vos voyages. Ça, c'est très important, c'est très pratique, c'est vraiment, vraiment cool. Nous qui voyageons beaucoup, on utilise beaucoup ce truc-là. NordVPN, c'est fou pour ça aussi. Par exemple, le voyage aux USA, là, pour nous, en ce moment, c'est vrai que c'est un très bon exemple. On a pu gagner de l'argent, du coup, avec des réservations sur Booking. Vous pouvez aussi, ça marche aussi beaucoup sur des trucs comme Sixt, sur les billets d'avion, sur tous ces trucs-là. Si tu mets, par exemple, ton IP aux États-Unis, bah, les billets d'avion ou les réservations d'hôtel, etc., pour aller, par exemple, à Miami, depuis les États-Unis, bah, ça sera moins cher que, par exemple, si tu le réserves quand t'es à Shell ou à Arpajon ou à Meudon. Ça marche avec plein d'autres villes en France. Donc voilà, NordVPN, c'est que du bonus. Nous, pour l'utiliser tout le temps, je peux vous garantir que c'est incroyable. Vous avez toutes les infos en description, comme d'habitude. Vous avez aussi là mon petit lien vers NordVPN. Profitez-en. Il n'y a aucune raison de pas le prendre, de pas l'adopter. Nous, on va dormir. Non, bah, attends. Hey, on se dispute tranquille. J'ai entendu, je te pisse dessus, Benji. Si demain, tu me réveilles encore avec un P, je te pisse dessus, Benji. Pourquoi on les a mis ensemble? Parce qu'ils sont dégueulasses. Oui, ça, c'était ça. C'était fait pour ça. Leur relation est très space. Jusqu'à présent, tout ça, on doit faire le lit. On fait le lit. C'est un couple, c'est un vieux couple. T'as montré ce qu'il y a là? Quoi? Le truc là. Laisse ça. C'est pour ça. C'est pour ça, chat et moi. Le Marcelin. Comment ça va, Marcelin? Moi, ça va. T'as kiffé la journée, Marceau? C'était incroyable. L'adrénaline, c'était fou. Ah, c'est fou. J'ai un peu mal au... Je me suis fait un peu mal, mais sinon, ça va. Une petite pensée à la fille qui s'est explosée. Oh non, à cause du cycliste. On pense à toi fort. Sprite? Oh non. Sprite? On fait quoi demain, s'il te plaît? On va voir les étoiles. Arrête de... Fils de... Tu as vu? J'ai vu. Dis-moi ce qu'on fait demain. On va voir les lettres. On va voir les lettres. On va voir les étoiles. On s'amuse, on rigole, on se peigne, on se barre. Oui. Camarade tous les nuits. Non, ça a été. Non, mais t'es très à l'aise, Marceau. T'es trop à l'aise. Bonne nuit, frère. À demain pour des nouvelles aventures et des nouvelles conditions de vie. Aïe. Allez, ciao. Bella, ciao. Vous êtes un vieux couple, quand même, vous deux. C'est pas question d'être un vieux couple, c'est que genre, je suis en train de lui parler, c'est tout. Benji. Non, dis-moi, Benji. C'était une belle journée aujourd'hui. J'ai du sable, de la gamelle et des tricycles. Ah, c'est bien. Moi, c'est du oui. Demain, on se réveille pour une nouvelle journée. On va finir de découvrir Ali parce qu'on exploite terriblement mal les villes. On fait jamais bien ce qu'il faut. Au final, aujourd'hui, on a passé la journée à Los Angeles à faire des courses avec des tricycles sur la même route, hein, en aller-retour. Demain, on va finir de découvrir un peu Los Angeles et sa plage et tout. Faut vraiment faire trempette quand même. Faut faire trempette à Los Angeles quand même. Non, mais tout, frère, demain, attention, on va faire frisquette. T'inquiète, frère, c'est pas le temps qui va nous arrêter. 21 degrés, nuages, j'ai vu. Et quand tu connais le dicton qui dit des nuages, et reste sur un petit nuage quand même. Bingo. Pinguette. J'ai calmé le rire quand même. Manas, frérot. T'as passé une bonne journée? Yeah. Ça va ton genou? Oui.
On s'est éclaté maintenant. Ça. On a perdu un rush qu'on rattrapera jamais malheureusement. Je suis encore dégoûté. Hein. Bah oui. Je te jure. Ça fait mal pour rien. Oui. J'ai encore mal. Allez, bisous. Papillon. De toute la nuit. Oh. Bonne nuit. Frère. Voilà, Sacha, bisous de toutes les nuits. À demain pour cette journée. Tu sens bon la cerise. La nuit. Tu m'en as fait deux. Bah, il fait moins en deux. Faut qu'on fasse le même nombre de piles. Allez. T'as rien de plus là. Ouais. Trop proche. Je suis trop proche là. Trop proche, trop longtemps. Mais tu me tiens par le cou. Moi je te tiens. Tu m'attrapes par le callback. Voilà ce que tu m'as fait aujourd'hui. Des bobos. Toi aussi tu m'as fait des bobos. Bonne nuit frère. À demain pour cette journée. Los Angeles. C'est la folie de fou, j'adore. Ils sont finis par cette studio. Qui est quand même une journée entière de ce qu'on a fait. Quand on se rappelle quand même, quand on se rappelle dedans. Aujourd'hui, dernier jour à Los Angeles. Et comme vous avez pu le remarquer, je pense, depuis le début de l'aventure, je suis Sacha. Non, chez moi. Quand depuis de l'aventure, on fait au jour le jour les activités, on sait pas ce qu'on fait ça le lendemain. Je veux dire, on exploite terriblement mal chaque ville par lesquelles on passe. Exemple avec New York, avec Atlanta, on a complètement mal fait les choses. Et là, Los Angeles, on voulait vraiment pas faire les choses mal. Sauf que par exemple, hier, on a passé la journée à faire des courses en tricycle à Venice Beach. C'est pas comme ça qu'on exploite Los Angeles. Donc en fait, c'est très simple. Si Léna ne nous aide pas à tenir un programme carré dans la journée, là, je sais que le dernier jour, on va juste aller à la plage et on va faire du beach volley et fin. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut quand même faire un maximum de trucs. Donc Léna, aujourd'hui, elle va nous emmener à la plage. On va se baigner, on va faire du sport, on va kiffer un peu la plage. Après, on part voir le Walk of Fame, les étoiles sur le sol comme des bons Yanklar. Le Yanklar Tour continue. Après, on va voir les lettres de Hollywood. Le Yanklar Tour continue encore plus. Et puis après, on ira acheter des habits. Oh non, 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 c'est elle ça. Pourquoi t'as fait ça les mains? En plus c'est ton appart. Ah, vous me cassez les couilles. Depuis 3 jours. Bon. Bah si tu veux on part hein. Si tu veux on se casse hein. Nous personne nous retient ça. On prend une petite lingette. Ouais. Bah non, ça c'est du Jill, si c'est pas du Léna. Ah. Oh là. Ah là. On chante, on danse, on nettoie et on laisse. Elle est quand même agile avec les gants. On chante, on danse, on nettoie et on c'est abusé comment elle prend les rênes. On chante. Non, arrêtez de chanter. Et on astique. Non, les gars, non. On chante, on danse, on nettoie et on astique. Mais qu'est-ce que vous devez faire? On danse et on astique. On chante, on danse, on nettoie et on astique. Ok, donc on va faire que jouer aujourd'hui. C'est que du jeu. Ouais, non, je joue pas. Mais c'est fou. Voilà. Presque 600 crédits. Ça d'ailleurs c'est pas ça, c'est... J'étais chez tué avec ça. Et ça, ça c'est quoi ça? Ça vole bien ça? Ouais, je pense que ça vole bien ça. On peut la laisser là sinon. On la laisse là, on va dire tout à l'heure sinon. À toute Léna. À tout à l'heure Léna. J'adore là. J'adore.
c'est de partir d'ici jusqu'à l'autre bout de l'Amérique à partir d'un sou uniquement. Quelle ville à l'autre bout? L'autre bout complètement, ce serait North Carolina. Par d'ici avec un penny. Le but c'est de payer tout. Et là, c'est vrai que tu commences? Non mais les gros le penny. Ouais, j'ai commencé hier puis ça a été terrible, complètement terrible. Et là, j'essaie une nouvelle approche. Donc là, j'ai acheté plusieurs trucs comme ça. Ouais. Donc là, je vais faire des échanges. Ça m'a coûté $1. Payer le transport, la nourriture et tout. Putain, la force mentale. Comment on pourrait t'aider nous là? Juste si vous voulez faire un échange argent contre un paperclip, ça serait awesome. On peut lui donner. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça, déjà, qu'on peut te donner gratuit. Non, mais l'argent. Des euros, tu peux les échanger en dollars. Ouais, je peux aller dans un truc pour échanger. Man. Frère, avance, je veux que tu fasses une vidéo de fou, frère. Faut que tu prennes le paper. Ouais, je prends le truc. Sinon, c'est pas un trade. Je le prends et je le mets là. Tu t'appelles comment? Louis Philippe. Non, faut pas pleurer, faut pas pleurer. Non, mais attends, on va suivre l'aventure, t'es pas prêt. Ah, c'est non, mais gros. Ça va t'aider? Non, mais... Je te donne plus, hein, frère. Non, mais je te donne bien. Tiens, 10 morts. 3 frères. Va au bout de l'Amérique. Vas-y, pour c'est quoi? C'est un salaire, ça, si je dis. Ouais, c'est tout ça. Ok. A repris son taf initial. Merci infiniment. J'apprécie beaucoup. T'as tout ce qu'il faut, toi. Puis j'ai hâte de voir vos YouTube. Bonne journée à vous. Bonne chance. Merci, c'est extrêmement gentil. Lâche pas. Excellente journée. Bye bye. Merci. Ça va, ça va. Oh, oh non. Elle m'a sonné sa mère. Oh non, c'est... Elle est tombée au ras. Wow. Il s'est passé tellement de choses dans ma tête. T'as vu la sensation, elle est pas incroyable. Wow. Ils me l'ont fait hier, j'étais perdu complet. J'ai perdu tous mes 5 sens. On va se baigner, allez. On va se baigner, c'est trop chaud. Oh, fait 100 degrés. Je crois que je le vois pas. Je te vois, mais il est sûr que tu pars. De hippies de merde. Je sais pas ce qui se passe là, mais il y a du bruit, des gens, des hippies qui dansent. Ça, c'est pour nous. J'ai une quête à résoudre. C'est un bordel auditif. Je suis en panique. Comment faire sa musique? Aller voir les étoiles et Hollywood et les lettres. Ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours qu'on dit qu'on va aller voir ces putains de lettres et ces étoiles. Ça fait 3 jours qu'on n'arrive pas à faire des journées comme on veut, frère. C'est terrible. On n'arrive pas du tout à tenir une organisation bien. Même Léna, aujourd'hui, on est comme des détraqueurs. On a aspiré son âme, frère. On l'a rendu désorganisé. C'est terrible. On va dire bonne nuit à tout le monde avant d'entamer cette dernière journée à Los Angeles. Je
Los Angeles, c'était fou. Ma ville préférée reste quand même New York. Benji, il ronfle, frérot, à cause de lui, m'a décidé dans une tannée. Ouais, frérot, tu spawns d'où, toi? On dirait un adolescent que j'avais quand j'étais en colonie de vacances, quand j'étais animateur. Il y avait un ado, il parlait comme lui. T'as dit quoi? Wesh, frérot, tu spawns d'où, là? Il parlait pile, pile comme ça, il parlait exactement. Redis. Je suis pas une bête de foire. Comment il ronfle Benji, frère, c'était fini. C'est alarmant. C'est alarmant. Bonne nuit, Benji. Ah mais là frérot c'est de la drogue là, c'est juste de la drogue. Impossible. Doobie Wop. Va tâter tous les nuits. Non c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Commence. T'es bloqué. Tu veux ma peau? Tout le temps dans un film américain. Manas, tu connais la chanson? Ah, j'avais du sable dans l'œil, je te l'ai mis chez Watt. Oh, bâtard. Ah, c'est une vraie poudreuse. Ah, c'est la poudreuse, frérot. Il y a de la puff. On va rider la puff. Voilà, demain pour enfin aller voir ces lettres Hollywood là. Ta gueule. Ah, la porte est ouverte, pas nu, Marceau. Bordel de dire bonne nuit, hein, ça prend 20 minutes. Léna! Chat. Mmh. Bonne nuit. T'as bronzé, bâtard. Hein. Mmh. T'es bien là, t'es bien bronzé là. Mmh. 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 Bisous. Mmh. Toi. Il sent l'horoscope, je suis bon. Allez, bonne nuit. À demain. C'est bientôt la fin. Je déprime. Je peux pas vous dire mieux, je déprime. Léna, elle a une idée des jeux de fou. Ils vont aller à Hollywood Boulevard. Je vais leur donner à chacun le nom d'une célébrité au hasard qui a son étoile. Marceau, tu vas voir l'étoile de Winnie l'ourson. Benji, t'as Marilyn Monroe. Voilà. Let's go. Toi, je vais te donner Alvin et les Chipmunks. C'est de la merde. Mais vas-y. Je te donne Jackie Chan. Oh, oh bah c'est incroyable, c'est magnifique. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Les de Jackie Chan. Prends, tu prends Alvin et les Chipmunks. Non. Tu as Snoop Dogg. Oh, c'est stylé. Pourquoi j'ai un putain de castor qui queen? Retour en arrière, buggy dans le Grand Canyon, on a éclaté un buggy. Les gars, on fait un juste prix. La facture du buggy, la caution du buggy. 345€. 1355. 1339. Oh, 1339. Mais pourquoi? Bah, c'est cher, attends. C'est à cause de toi en plus, Sacha. Mais c'est votre buggy. Je sais pas si c'est notre ou pas. Ça, ils vont attendre longtemps que je la paye. Bah, même au bout du papier, je pense que je vais jamais la payer. Bon app. Bon app, les gars. Bon appétit. Là, je pense qu'on n'est pas arrivé au bout de nos surprises. C'est quand on pense que c'est fini, qu'il y a toujours un truc de fin. Comme la dernière fois quand on s'est mis à poil dans une cellule. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Moi, regarde, je te dis ce que je pense dans ma tête, je me fais des films peut-être. Là, on va sur le camping car, j'en vais péter un truc. Ça, je pense qu'il y a 80% de chances que ça se passe. La route jusqu'à Seattle, on va se faire arrêter par les flics. Vas-y, reste bien droit. Parfait, il va réussir à s'entraîner, nickel. Vas-y, commence à tourner à gauche, à droite, à droite. Oh non, mais le l'embouteillage déjà à chaque fois. Vas-y, viens par là. Mais roule-moi sur le pied, hein. Sacha, 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 Sacha. Sacha, avance, avance vite. Il a une tête là, Sacha. Sacha, oh, la chaîne. On a niqué la chaîne. Oh non. Attends, mais il a tout niqué. Oh, regarde, attends, on n'avait pas parlé, mais le poteau. Attends, il a pris un poteau aussi, regarde, hier. Ah oui, t'as niqué le poteau. Il y a 3 jours. Oh non, non, non. Attends, la caution, mais la caution, c'est ça, il doit être chier, celle-là. Ça, c'est pas 1300 balles dans cette caution là. Oh non, non. Attends, ça bouge. Mais frère. Oh, c'est grave. Faut plus monter sur les chaînes. J'ai tapé quoi? Ça.
ce gros conquérisseur là. On dirait les arbres d'anti-teuf. Oh non, j'avais bien fait jusque là. Un sacré coup là. Ouais, je t'ai dit bravo et tout, et t'as commencé à recruter. T'es nickel jusque là. T'as pris une petite conf. L'état du camping-car, cousin. À chaque fois, c'est toi qui a baissé le camping-car. Ça aura toujours ça l'air. T'avais dit quoi, Vadas? J'ai pas qu'un mec. Il a pré-shot. Quoi qu'il arrive, on va sortir ce camping-car, il y a 80% de chance qu'on pète un truc. On commence à se connaître à force. Hein. Pour dire au revoir à Léna, vous connaissez la chanson, je propose une terreur nocturne. Si tu survives à ça, tu peux survivre à tout. Je me suis sentie vivante. Bisous. Bisous Léna, merci beaucoup. À très vite. Fais la resta quand elle part dans des voies, une parade dans une voiture avec une petite teintée. Je l'avoir. Oh, je pars avec mes amis à San Diego. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On est à Hollywood Boulevard. Comme à quoi boulevard, mais à Hollywood. Et là, du coup, c'est la chasse aux étoiles. Comme Léna nous a donné chacun une petite étoile à trouver, on part du même endroit et c'est à qui trouve son étoile en premier. Pour savoir qu'il n'y ait pas de triche, on envoie une photo de nous dans WhatsApp. Jackie Alvin. Chan, Alvin et les Chipmunks, Winnie l'ourson, Marilyn Monroe, Snoop Dogg. Benji, tu triches. Oh, j'ai cru que c'était Jackie Chan. Ouais, moi aussi. Ok, les gars, à partir de maintenant, que le meilleur gagne. Putain, mais c'est écrit à l'endroit à l'envers, ça va être impossible. Eddie Murphy, Eddie Murphy. Putain, mais David, faut tout lire. Oh, t'as fleuri, c'est trop stylé. T'as bien marre que si tu vois Jackie Chan, je le cache avec mes pieds. C'est une galère. Patrick Swayze. J'adore cet acteur, mais c'est pas lui qui me fout. Pour ça, je pense que t'auras ton étoile aussi un jour. Tu sais qu'elle prendra deux carrés, la tienne. Putain, j'ai trop le seum. Johnny Depp, incroyable, Johnny Depp. Attends, plus ces chiens, les étoiles, elles sont à l'endroit et à l'envers. Pourquoi il y en a qui sont à l'endroit et d'autres qui sont à l'envers? On peut parler des bavards. Excuse me, sir. Where is the star of Marilyn Monroe? Marilyn Monroe, that way. Ok. C'est qui, toi, déjà? C'est Snoop Dogg. Ok, fans of the McDonald's. Thank you, my friend. Excuse me. Do you know where is Winnie, the beer? You know? What is it? Let's go! Oh, la technique de fou! C'est moi le professeur dans la case des papettes, j'ai 300 de QI. T'as trouvé un peu? Rien du tout. Calme, attends, mais la rue elle dure 15 km. Je viens de regarder en anglais, ça peut être utile, c'est Winnie the Pooh. C'est pas quand il court le bâtard. Mais moi aussi je cours alors. Je suis KO. Ah non, mais c'est un enfer. On prend même pas le temps de découvrir la ville. Alabama. C'est un état, c'est l'Alabama, ils ont fait n'importe quoi. Ils mettent vraiment tout n'importe quoi. Putain, il est où? Je vais mettre une patate à toute la file. C'est vrai, je vais demander où est-ce qu'elle est. Non. T'es le pire bâtard, c'est un bâtard. Attends, mais ça se trouve, il y en a aussi là-bas des étoiles. Là-bas. Mais c'est impossible comme jeu, ce jeu, il est impossible. Do you know where is the star of Alvin and the Chipmunks? Excuse me, do you know where is Winnie the Pooh? What? Winnie. T'es sérieux, fils de pute? Je vais marcher sur Bigard, les gars. T'es malade, t'as demandé, mais t'es un bâtard. You're gonna see the Disney Theater. It's called Disney? The ok, thank you so much. No problem. Ok, donc il y a un truc Disney, c'est juste en face du truc Disney. Oh putain, je viens de marcher sur Michael Jackson. Non, excuse-moi, MC. Combien? 2000 étoiles. Claude François, let's go. 2000. J'allais totalement dans le sens inverse, mais là on reprend du poil de la bête et je peux vous dire que Alvin et les Chipmunks, il est pour moi. Ah, moi, elle doit être par là. C'est Jim. Le pute. Non, Marceau! Marilyn Monroe, let's go, j'ai gagné. Let's go! Maman, c'est pour toi ça. Ma mère, grande fan de Marilyn Monroe. Qui là? Benji, je les ai ratatinés. Ah bon? Ça peut pas être dernier, ça possible. Regardez. On est passé devant l'étoile de Snoop Dogg. Manas, il est là, bas. Excuse-moi, sérieux. Il y a déjà Benji qui a trouvé Marilyn Monroe, je crois. Alors, where is Alvin and the Chipmunk Star? Ouais, je joue perso, cet enculé, je joue perso de ouf. Mais putain, je regarde même pas les noms par terre. Where is the star of Alvin and the Chipmunks? Ouais, bah nique ta mire. Il est où Alvin, la putain de ta mire? Adolphe? Oula, on va pas aller sur cette étoile-là. Je pense que Marceau, il va trouver avant moi. Il a plus de cardio. Oh non, Sacha, il a trouvé. Oh putain, ça joue entre eux. Marceau, moi et Manas. Rod. Mais non, mais il s'est trompé, il a pris Bruce Lee. Putain, j'en sais rien en fait, ça me saoule. Vas-y, je retraverse. Nique sa mère. Ça se trouve, c'est de l'autre côté. Je sais même pas. Il a pris Bruce Lee. Oh mon cœur. Oh, let's go. Snoop Dogg. Ah, oh, let's go, oui. Manas, il a trouvé Snoop Dogg. Oh, fils de pute, putain, ça joue entre Marceau, moi et Sacha. Chaise, Sacha. Chaise.
Mais je vais jamais trouver Alvin et Chipmunk, c'est aussi moi, frère, t'es mon étoile. Putain, il est où? Lui! Voilà! 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 Let's go! Jean! Le mec, il m'a dit, Google-le. Comment tu Google? Tu peux trouver, il y a des points GPS? Tu peux la vider, on va le faire. Mais même bouton pied! Quoi? Non, mais non! Mais malin, non. Attends, si je gagne, là, ça. Fais une vidéo parce que Manas il veut pas voir. Ah, d'accord. Il voulait pas me laisser. Fils de pute. Non, mais je vais perdre. Attends, mais moi je l'ai pas googlé. Deux minutes et c'est là-bas. Ok. Vite ma mère, je vais l'avoir avant lui. Il a voulu me baiser cet enculé. Je vais avoir Alvin. Normalement, j'y suis. Ah, mais elle est dedans. Elle est à l'intérieur du bail. Alvin et les Chipmunks. Elle est là. Ok. Oh oui, Marceau il a perdu. Oh let's go. Oh let's go. Oh, j'ai, pour une fois j'ai pas perdu un jeu. Eh ouais frérot, ça a voulu me niquer. On n'est que pas un niqueur. Oula. Ok, après cette folle partie endiablée de la course aux étoiles. D'ailleurs, ceux qui vont à Los Angeles à partir de maintenant, faites ce jeu entre vous, c'est très drôle. On est à l'emblématique observatoire de Los Angeles. Il y a les lettres Hollywood qu'on a envie de voir depuis qu'on est arrivé à Los Angeles, qu'on est très mal organisé, on n'a pas réussi à le faire. On va le faire avant de partir et on quittera cette magnifique ville sur ça. Donc voilà, c'est quand même la petite larme à l'œil qu'on vient voir les lettres d'Hollywood. Les gars, c'est maintenant, on y va. On va tous voir Hollywood avant de partir. Pourquoi il est pas là, Benji, encore? C'est que ça qu'on peut voir, là, on peut pas aller plus près. Bah, on va trouver Benji. Il est où? Là. Coucou. Ouch. Tu vois bien d'ici? On arrive en haut, on a encore perdu Benji, c'est quand même dingue, il est jamais là. Benji! Ouais. Oh! Ah. T'es où? Je suis là. C'est bien en haut? Ah ouais, il y a des buildings à Los Angeles. J'ai fait le Mont Blanc moi? J'ai jamais pu faire le Mont Blanc, je sais pas comment j'ai pu faire. J'ai soufflé. Baisse mon plan, fils de pute, baisse mon plan. Non, t'es vrai, tu vas me tirer dessus, frère. Je suis dans le thème. Mais pousse-toi de mon plan, putain! L'ambiance sur le tournage. Tu vas la manger, ma merde! Bon. Vous voulez une photo? C'est injetable. 7000 balles. Hollywood! Hollywood, chewing gum! Il en reste une, soit on l'a fait en groupe. Mais là, bien maintenant. Il en reste une, donc. Vas-y, en fait, non? Vous avez cassé l'appareil, vous n'avez pas pouvoir récupérer les photos? Mais madame, vous avez récupéré l'appareil, vous n'avez pas pouvoir récupérer les photos? Pardon. C'est accepté. Tu m'excuses? Oui. Fais bisous. Ben voilà, tu vois. Fils de pute. Je peux cut Manas. Manas la salope. Non mais alors lui frère. Manas tu peux cut, c'est bon. Manas la tu peux cut. C'est grave ce qu'il fait frère. C'est pas la question là. Là tu le laisses, il fait ce qu'il veut, toi tu te peux cut. Mais t'en as pas marre d'être une chienne quoi. Turning and returning to some secret place inside. What are we up to? We are going to Seattle. Yeah, what's in Seattle? Just for a trip. Are all the girls in there? No. A lot of guys. Yeah. On est en train de faire le tour du camping quand même en ce moment. Ok, on est exactement, je peux vous donner le lieu précis de là où on est. Car Marceau, c'est lui le dernier conducteur pour ce soir. Et il nous a posé à un endroit, les frères. Je peux pas vous dire mieux. On est à l'aéroport de Sacramento, on est dans l'aéroport. Et en plus de ça, il nous a posé à un endroit où une caméra de surveillance, elle est braquée sur nous comme ça. Alors, je vous explique rapidement, vous n'avez pas vu d'image de San Francisco. C'est pas un bug de montage, c'est un bug d'orga. Il y avait pas assez d'orga. On était trop en retard sur le timing, on a fait sauter San Francisco. Donc là, on bombarde depuis de quelques heures maintenant, direction Seattle. Puis après, bah, c'est le point GPS, qui est pas loin de Seattle. Blabla, et puis après... Blabla, blabla. Tu veux que j'en pue? Touche pas, toi. C'est une fin d'aventure qui s'approche de plus en plus. Je suis très triste. T'es tristoun ? Je suis très tristoun, frère. J'ai envie de me tirer une balle de 9 mm entre les deux tempes. Je vais répéter tout ce que je dis. Les amis, on est sur l'un des derniers bisous de tous les nuits. Benji. Bonne nuit. Tranquille ce soir.
Il est content. Menace. Ah mais c'est moi. Tu connais la chanson? Je commence à la connaître. Je la connais trop bien. Nos yeux se touchent des fois, ça m'angoisse. C'est bon, je suis parti. Hein. Mais tu pleures des yeux, enculé, tu mouilles sur moi. J'ai motif. Non mais bon, on doit plutôt... Attends, j'ai deux yeux qui pleurent, mais j'ai tout qui coule. Oh là là, j'ai tout qui coule. On est ici dans le lit. Marceau, il est allé au lit vite pour faire avoir le câble. Bonne nuit, baba. Mon Marsoul. Qu'est-ce que tu fais là, dans mon lit, tout le temps? Mais je vais dire bonne nuit. Je veux pas dire bonne nuit ce soir. Allez. Tu vas faire des caprices tout seul, je pense. Allez, allez, bisous. Oh, dégueuse. Oui. Ta petite dent me fait des petits kilis. Et oui, et toi, elle me fait des petits morpions. Bah, allez, bonne nuit, les frères. À demain. Peut-être la dernière journée, on sait pas, ça dépend de l'orgasme. Vraiment, cet orgasme, on va aussi, c'est un délire. T'as, depuis qu'on a dormi chez Léna, on dirait un mobilhome qui est sorti au droit de The Last of Us. La nature a repris les droits dessus, il y a des odeurs féroces dedans, il y a une ambiance, une atmosphère, il y a de l'humidité dans le camping-car. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas vu Sprite non plus. Ah, Sprite, je crois qu'il est resté chez Léna, lui, c'est pas cet enculé. Allez, bonne nuit la famille, à demain, on garde le smile, car sinon j'ai envie de m'éclater la tête et pas rentrer en France. Let's go. Mais Jesus. Hi. Hi, we're gonna have to ask you to move. We can't have you parked here. People can't get air. Thank you. Welcome. You have a place for go out. La place qu'il faut, frère. J'ai 115 points là. Me dire au revoir, si c'était plus tu l'imagines. Une patate dans la tête, frère. Pourquoi qu'est-ce que j'ai couilles alors qu'il travaille même pas là? Mais même pas, frère. C'est juste un gars qui vient chercher sa voiture et il peut clairement sortir. Hein, peut-être ta mère, je suis une voiture électrique maintenant, c'est bon. I'm a car electric. What's the problem? You're illegally parked. Mais. Illegal. You can go. No, you can go. Don't. Don't talk with me. The sheriff will be here in a minute. Call. Yeah. Call. 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 Don't give a fuck. Call. Mais comment c'est, qu'est-ce que ça lui casse les couilles de quoi, frère? Le mec, moi j'aime pas les gens comme ça. Et lui, il se recouche. Avec le car électrique, et je. Voilà. Viens, on recule. Viens, on va. Vas-y, klaxonne encore. Il me fait coucou. J'ai pas de chance. The sheriff is coming, have a good night. Call the sheriff, don't klaxon. Stop, call the sheriff. You're getting a ticket, he's gonna kick you out of here. Don't do your show, don't do your show. Call the sheriff and don't do your show. J'envoie ma claquette. Why are you hit? Bye bye. C'est ma mienne, c'est ma car. 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 Il a dit il y a un problème, il y a un problème. Il a dit tout boucave. Il a dit je suis resté dans ma voiture, je ne suis pas sorti. Hein. Alrighty. Ça arrive les frères. Dites-lui à l'anglais qu'il est pas cool, qu'il a klaxonné pendant genre une heure avec provocation. Tu l'as fait dans le dos du Jérémy, il arrive là. T'es vraiment là? Il appelle des gens? Il y a du renfort. Ah ouais, mais il y a du renfort. Les gars, on va se faire embarquer. Tu baisses le rideau, baisse le rideau. Putain, mais on est dans la merde, je suis baisé le pied en plus. Là, il y a mal le monde. Venez, on sort, ça fait bizarre si on sort pas. C'est même, ils nous ont pas appelé, ça fait encore plus bizarre. On sort sur, on est sur la défensive. Hey, guys. Yeah. How many guys are in there? Five. Okay, so road trip across the country. Yeah.
Does anybody have an ID? I can just that I talk to you for. Yeah, you have your ID. Shérif, vous en direz une gomme. He's not nice. When we try to talk with him, he closed the window. And, I got you. Okay, so can you guys move over there now? Just Have a good day. Salut, il était gentil, ouais. C'est trop sympa. Mais les gars, ils sont très très gentils. Rien, c'était de Pookie, genre. Ça fait des doigts. Il y a encore les filles qui étaient. Tu t'es mis dans une merde, toi, pour reculer, mais. Putain, Benji, tu m'as foutu dans une panade. Qu'est-ce que je fais? Il a appelé les flics pour ça quand même. Putain, il a appelé le shérif, ouais. Le shérif. Mais où, là? Il en a appelé 3. Il a pris des renforts. Il avait 3 cadeaux de recharge et c'était vas-y, je m'amuse. Mais oui, c'est ça, il se faisait trop chier, frère. J'ai rien compris où je dois aller, putain. Ça fait 20 minutes, je suis dans un labyrinthe là dans l'aéroport, frère. Pouah. Tu sais que pour mes deux, je croyais vraiment qu'il était en train de rouler depuis tout à l'heure. Mais moi aussi. Toi aussi, tu as fini par croire. Moi aussi, je me suis dit peut-être on part loin là. Non, on est au même endroit. Rien aux indications qu'il me mettent. Oh, il me fout dans une merde là. Je fils de pute, je m'en mets pas là. Non, si. Je m'en bats les couilles, il y a le shérif. Où? Oh putain, il y a les deux. Oh, il y a beaucoup de shérifs. C'est pour nous ça? Alors, on a soulevé un secret défense ou quoi, frère? Je vais revenir à l'air de repos où on était, je m'en bats les couilles. Ah oui, l'air de repos. Ah ouais, je vais pas aller au jardin. Ça fait 40 minutes que je tourne pour revenir au même endroit. Il joue là. Et dites-vous bien s'il y a quelque chose. Il vient de capter. Moi je bouge plus, les frères. Non, je bouge plus. Il peut y avoir une météorite. Mais toi, t'as déjà pas bougé toi. Je bouge plus, rien. Il peut y avoir une météorite que je bouge pas, les frères. Je vous le dis tout de suite. Bouge ta mère. Je bouge plus. Bonjour. Je suis dégoûté. Quoi? J'ai voulu faire une surprise et vous emmener manger un truc. C'est claqué. C'est le truc où ils arrivent en roller. Oh, c'est stylé. Mais ils arrivent à pied, ces fils de pute. Regarde. C'est vraiment une journée de merde. Hein. Même le shérif il est venu en vélo et ils viennent pas en roller. J'ai voulu t'emmener manger quelque part. Le Sonic. Mais. On rentre pas avec le camping-car. De 1 et de 2, y'a pas de roller, ils viennent à pied. Oh non. Je te jure, regarde, on voit tout. Quoi, des burgers? Mais toi, t'es devenu mignon pour aujourd'hui là. On commande? Vas-y. Personne n'a commandé. On t'attendait? Genre vous avez pas commandé. La politesse? Vous mentez, c'est impossible. Je connais mon groupe, c'est impossible que personne ne commande. Au moins, Sacha et Benji, ils ont commandé. Non, je leur ai dit d'attendre. Les gars, vous avez pas commandé? Personne n'a commandé. C'est vrai? Putain, mais tu les as dressés, c'est fou, frère. Thank you for choosing Sonic. What can I get started for you today? Il parle bulgare? Vanilla shake? I'm sorry? Do you have vanilla shake? What shake? Vanilla. Vanilla? Vanilla. Thank you. Ah, putain, faut la carte. Oh putain. Non, si je fais en moins de 20 secondes, t'es vraiment un sprinter. Oui, mais la carte, elle est où? Elle est dans ma chambre, dans ma sacoche Adidas. 1, 2. Il a pas les clés, putain. Ok, le chrono il recommence, t'inquiète. 1, 2, cours, Manas. 3, 4, 5. C'est vraiment un petit frère. C'est douille. Manas, accélère. 6, 17. Non, il va pas. 19, 4. 5. Mais il est mort encore à la porte. Attention. 10, 3, 10, 5. Ça fait 45 minutes. Une cuillère pour mener l'oursin. Une cuillère pour papa. 17. 18. 19. 20. Oh là là. Tu as vu comment il s'est énervé ce matin? Il a fait what's your problem bro? I sleep. I don't give a fuck, I sleep. Il a entendu l'accent de Manas, il a dit oh my god, il a raccroché. Oh my god, il a dit merde. What can I get you? Why oh my god? I will take a combo 7. Je vais manger des cailloux les frères aujourd'hui. Il est médiocre en anglais. Non, l'anglais il est pas médiocre, il est inexistant. Ok, bon, là ça y est, c'est le dernier jour. On arrive au point GPS, ça fait bientôt presque 20 heures qu'on roule. De Los Angeles à Seattle, donc on a passé quasiment deux journées sur la route. Et là ça y est, on est à même pas 15-20 minutes de l'hôtel, on pose toutes les affaires, on va au point GPS, on finit l'aventure, et après on va rendre le camping-car, c'est sûr qu'on payait une sacrée caution. Mais franchement là ça serait vous mentir de vous montrer de l'énergie, du rire et tout, parce qu'il y en a pas. Tout le monde est très triste, il y a une vraie tristesse là, il y a un vrai coup de blues qui s'est installé dans le groupe. Le coup de blues et la tristesse et à l'échelle de l'aventure qu'on a vécue qui a été incroyable. Bon, c'est pas fini, il nous reste le point GPS, mais vous avez compris. C'est triste, en même temps c'est bien, parce que toutes les très bonnes choses ont une fin, et on y arrive. Et c'était une aventure de malade mental.
Mais c'est pas fini. D'abord, le point GPS et l'hôtel, puisque là c'est la course, c'est le vrai rush. Wesh, il est mort le frérot. Marceau, il faut qu'on se dépêche là. On a 25 minutes pour être prêt pour mettre toutes les affaires dans l'hôtel, après on se casse au point GPS. Ah oh ouais frère, t'as pas l'air bien. Ah là c'est un marceau que vous voyez pas souvent. Et quand je vous dis qu'il y a une dépression qui s'installe dans l'aventure, c'est pas une blague. Mais c'est trop bon tout ce qu'il y a. Mais tu sais que j'ai un sac, et le sac était déjà plein quand je suis pas parti. T'as pas acheté un autre sac? Non, j'ai pas acheté un sac. Oh mais frère, mais t'as foutu toute ta maison là-dessous là, c'est trop frère. Grave. Tu t'es délire, moi j'ai acheté un sac à Los Angeles. Il y a un peu de place? Non. Alors là, non. On jette tout par terre depuis deux jours là. Dès qu'il y a un déchet, on le jette par terre. On cherche même plus à tout nettoyer, c'est fini. Là, il y a au moins 50 kilos. Bah, avec toi, il y a 150 là. Dégoûté de partir. Il y a un lit, on va faire 2-3. 2-3. Je dors. Tu dors sur le canapé? Dis-moi qu'on se barre. Quoi? Dis-moi qu'on se barre. C'est vrai? J'aime pas la fin comme ça, c'était long. Ouais, la fin des voyages, c'est chiant. Direction le point GPS. On a 1h20 de route. Ouais. Attends, t'as le GPS? Ok, on est arrivé, on est très près du point GPS. On est très dans le nord aussi. On est très dans le nord, il fait froid, il fait genre 12 degrés. Ouais, il fait froid, il fait très froid. Sacha, t'as le GPS là? J'ai le GPS, ouais. T'as pas l'air de l'avoir, hein? C'est par là. Attends, je regarde si je vais. Regarde quand même. Temps de marche? Hein? 5 minutes. 5 minutes, c'est minutes de la fin là. On est à 5 minutes de la fin. La fin, hein. Oh non, les gars. Oh non. Oh non, pas la fin. Je suis triste. Oh non, je suis très, très très triste. Oh non. Oh non, pas la fin. 14 heures d'avion après. Not oh non. Not the end. Je suis dégoûté. Oh! Il est dans la forêt là-bas. Il est dans la forêt? Ouais, pour prendre le pont. Il est dans la forêt. Monsieur le guide, s'il vous plaît, vous pouvez me expliquer c'est quoi ces statues là? Le guide il va te faire foutre, frère. C'est passé quoi avec le guide là? Il a démissionné. On l'a pas tipsé. On l'a pas tipsé une seule fois. On l'a pas tipsé une seule fois. Mais c'est vrai, on t'a pas tipsé? Non. Ouais, ouais, depuis il fait la gueule. Alors qu'on avait plein de chargeurs USB tipsés. Ouais. Ça a duré 3 semaines, il reste 2 minutes. Non, on est sur les 2 dernières minutes là. Sacha! Oh non. Oh putain, faut il y a encore de l'eau! Ah! Pardon. Marceau, j'ai t'enculé. Passe. Je passerai jamais de ma vie. Arrête! Aïe! Tu me dis pas ce que j'ai à faire. Toi, tu me dis pas. Parle pas avec moi, toi. Mais c'est mon frère, tu viens de parler avec Arrête moi. Arrête! Je vais toute nue. On est dans le cul là? Non, ça veut dire qu'on est arrivé. Je suis dans la merde. Il y avait un truc de merde et t'as marché dedans? Mais vas-y, je t'ai caché. Il y avait une seule bouse et tu t'es mangé. 100 mètres. 100 mètres? Oh putain, le point GPS c'est fini, on pourrait être à Fontainebleau, que ce serait la même chose. Je suis tellement triste, j'ai jamais été aussi triste sur une fin d'aventure. Quand ta grand-mère elle est morte? Pas aussi triste. T'as pas eu le bac? J'ai eu bac. Ouais, comment ça te parlait plus pendant que... J'ai pensé à la même chose. Ah ouais, c'est triste. Quand le médecin il t'a énoncé tes résultats de ta prise de sang. Ça c'est un peu déçu, un peu dégoûté, ça c'est pas triste, t'es dégoûté. Quand t'as pris les pieds plats. Ah putain, j'aime ça, se tient ça. Le toutouné.
Mais qui m'attaque, frère? J'en ai plus rien à foutre, bute-moi. Bouffe-moi. Mange ma merde. Mange ma merde. Tu vas la manger, ma merde. Il va rien faire. Il va rien faire. Ça, c'est une règle qui marche avec les chiens et avec les humains. Plus ça aboie, moins ça mord. Vas-y. Plus ça aboie, moins ça mord. Mange ma merde. Bouffe ma merde. Tu vas la manger, ma merde. C'est à gauche, là. Jamais. Sacha. C'est là. C'est à gauche. Des dessins, je trouve ça. Oh non, c'est impossible de rentrer. Aouh. Vraiment à 10 mètres par là. Aouh. Demi, on peut passer. Oh oui. Je suis déçu. Ah putain, hey, nique sa mère, viens, on reste sur la route. Ça, c'est ma gavu. Sors. Elle sort, moi j'ai pièce de merde, je m'en bats les couilles, frère. Moi le chef du concept, c'est moi qui décide, on sort de là, je m'en bats les couilles. Ah wow. Oh. Ah. Oh frère, c'était une dague là, frérot. Frère, c'est Prince of Persia dans mon talon. Hello. Hello. Bon, après ça n'était pas non plus Bradley Cooper, cousin. Les amis ES, les amis ITIER, les amitiés. Les amis. Caca dans les cils. Je me suis réveillé il y a pas longtemps. J'ai plus d'eau, dans le camping-car. Les amis, on est arrivé au point GPS à côté de Seattle, aux États-Unis. Départ de New York, on a traversé presque 10 000 km ensemble, les amis. Et on a traversé presque 10 000 km avec vous aussi, parce qu'au final, vous avez quasiment la totalité de l'aventure, premier épisode au dernier. Il s'en est passé des choses, il s'est passé beaucoup de choses. On s'est marié, Sacha, à Las Vegas. Mm-hmm. On s'est marié, Sacha, à Las Vegas. Il y a une larme qui va couler, là. Oh non. Dorian, il est avec nous sur ce trajet. Merci, Benji. Marceau. Qu'on a vu en tout 3 heures dans l'aventure, car sinon il dormait dans sa chambre. Pas marrant. Et puis bien évidemment le frérot, la mascotte, la nouvelle coqueluche de l'équipe, Manas. Qui est... Comment il fait genre. Voilà, fais le show. Fais le show. Voilà. Tombe, elle tombe, elle fait une chute. Elle fait une chute. C'est un gros agile. Je crois il y a vraiment une merde au moment où on l'endroit. C'est lui, il a marché dans la merde, frère, regarde tes pieds. Mais c'est fini, moi. C'est vrai. Oh. Est-ce que cette expérience, je sais pas, vous a reposé? Est-ce que vous ressortez plus grandi, mature, truc? Non. Cette expérience m'a fatigué à souhait. Je sors déprimé. Ouais. J'ai envie de rentrer en France. Il nous a tiré pile là, comme ça, qu'elle sort par le crâne. Pour moi, de loin, l'aventure la plus complète à tous les niveaux. C'est à Tupac à côté. J'écoute ce que j'ai dit. Il y a 3 packs là. On va au 6, c'est fini. Ça fait des mois, on a monté ça sur des mois et des mois et des mois. D'ailleurs, Sacha, bravo pour cette. Je vais chialer, frère, pour de vrai là. Bravo pour... Là, c'est pas mon grand-père, c'est ça. Bravo pour cette prod, Sacha. Ça fait des mois et des mois qu'on est dessus. C'était un projet de vie, littéralement. Je pense que ça va être compliqué de faire mieux. Et bref, je suis très ému, j'ai envie d'y aller, mais c'était incroyable. On va aussi se prendre fin maintenant, aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé suivre cette aventure, j'espère que vous avez kiffé les épisodes. On a essayé de vous régaler au maximum. C'est grâce à vous qu'on arrive à vivre tout ça, c'est grâce à vous et à votre fidélité et à votre engagement et à tout l'amour et toute la force que vous nous envoyez que ça nous permet, nous, aujourd'hui, de faire des projets de cette taille avec des budgets de cette ampleur. J'avais pas envie de faire le mytho en mode ouais, machin, on va où? À la base, c'était la Clio, c'était des petits trucs et tout. Depuis que j'ai commencé YouTube, je rêve de faire une saison dans ce style-là, je rêve de faire un projet aussi ouf que ça avec mes gars, avec Manas aussi maintenant qui fait partie clairement de l'équipe, qui est le frérot. Manas, je t'aime fort, je l'ai pas dit pendant l'aventure parce que je te déteste dans la vraie, dans la vie de tous les jours, mais je t'aime plus que tout, frère. On a essayé de vous proposer limite des petits films à chaque épisode pour vous suivre l'aventure au maximum avec nous. J'espère qu'on a réussi, j'espère qu'on a réussi à vous transmettre le max. Je sais que c'est pas accessible pour tout le monde ce genre d'aventure, ce genre de truc. Donc c'est pour ça qu'en grande partie, j'espère qu'on a réussi à vous le transmettre, à vous le faire vivre au maximum. Je vous souhaite plus que tout le monde de vivre ce genre de truc un jour avec votre famille, avec vos amis, avec n'importe qui, vos amoureux, j'en sais rien. Mais voilà, merci beaucoup à vous de suivre tout ça depuis le début. Merci beaucoup à vous de nous permettre d'être là aujourd'hui. Merci à vous, c'est pas du tout fini, bien au contraire. Ça marque le début d'une aventure de malade encore plus. Vous allez voir. Donc je suis très ému. Merci les gars d'avoir été là depuis le début. Merci à toi. Petit boulot. Hein. Merci les gars, merci Manas pour tout, ton taf. Tu vas pas le faire décoller dans mes cheveux. Je vais inviter ta mère, tu vas faire décoller là. Mais il va me couper les cheveux, frère. Non, t'inquiète. Benji, je vais inviter ta mère, c'est possible. Ah, il a bien tout. C'est fini. Merci à tous. Non. Merci à vous, les gars. Je vous aime plus que tout. Vous êtes ma famille. Vous savez tout. Vous savez déjà tout. Merci les beaucoup. Gars. Merci beaucoup à vous. On se retrouve pour des prochaines vidéos, pour des prochaines aventures. C'est que le début, les frères. On va tout casser. On va graille tout et on laisse pas une seule miette. Le cerveau.
My swagger, hop in that whip, yo, I got places to go. Deep with the seats, I'm as precious. I look at my car, they y'all out of control. Just like my mouth won't go on. The women, the shorties, know nothing but no stopping now, my Pirelli's on. Unlike my jewelry, that's always on. Hey! The storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping a nut, cause it's meant to be shower. You keep a threat of a shot, cause we ballin' this platinum Patron every hour. But mama, how you just like a shower? Say it is true, party people. You spin my head right, right, right. When you go down, when you go, what? You spin my head right, right, right.